L'humoriste Guillaume Bas est mort ce jeudi 1er juin à l'âge de 36 ans. De nombreuses personnalités issues du monde de la télé et du spectacle lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. Triste nouvelle pour le monde du spectacle et de l'humour. Guillaume Bas est mort ce jeudi 1er juin à l'âge de 36 ans. L'humoriste est décédé des suites de la maladie des os de verre dont il était atteint depuis la naissance. Il s'était fait connaître grâce à sa participation dans l'émission On ne demande qu'à en rire sur France 2. Il avait même produit son premier seul en scène, hors cadre en 2018. Dès l'annonce de sa mort, les hommages se sont multipliés à commencer par la ministre du Handicap, Geneviève Darrieussecq, qui a écrit sur Twitter, « J'apprends avec une profonde tristesse le décès de Guillaume Bas. Par sa générosité et son humour, il a su faire rire des générations de nos compatriotes, tout en apportant un autre regard sur le handicap. J'adresse toutes les condoléances à sa famille et à ses proches. » Faustine Bollaert, tellement triste. De nombreuses personnalités issues du monde de la télé ont rendu hommage à Guillaume Bas sur les réseaux sociaux. Notamment l'animatrice de Ça commence aujourd'hui, Faustine Bollaert, qui a écrit sur Instagram, tellement triste. Guillaume avait 36 ans. Toutes mes pensées pour ses proches. Le chroniqueur de Touche pas à mon poste, Maxime Guény, a écrit sur Twitter, profondément triste d'apprendre la disparition de Guillaume Bas, un talent qui nous a fait rire aux éclats. Son humour unique, sa créativité resteront gravées dans nos souvenirs. Tu nous manqueras, cher ami. Que ton esprit comique continue de briller là-haut. Jean-Luc Lemoine, une puissance comique et une autodérision assez rare. Sans surprise, de nombreux humoristes ont aussi rendu hommage à Guillaume Bas. A commencer par Jean-Luc Lemoine sur Twitter, très triste d'apprendre la disparition de Guillaume Bas, qui avait une puissance comique et une autodérision assez rare, et que j'avais toujours plaisir à croiser sur les plateaux d'humoristes. Une émotion partagée par Eric Antoine, qui le produisait, et avec qui il avait partagé la scène, les anges, ces chanceux, vont bien rigoler. Donnel Jaxman a aussi posté un message sur Twitter, quelle tristesse. Repose en paix Guillaume Bas, nos battles de vannes handicapés versus noirs vont me manquer. Tu étais le roi de l'autodérision et du on peut rire de tout et je vous emmerde. Une pensée pour ta famille et tes proches. À jamais dans nos cœurs. Love you my man. Jarry a également réagi à la mort de Guillaume Bas sur Instagram, ce matin, je suis triste. Un ami, un humoriste mais surtout une force incroyable en quête du bonheur. Repose en paix. L'animateur Koé a également partagé sa tristesse dans un message accompagné d'une belle photo en noir et blanc.